Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, en ce troisième dimanche du temps de carême, les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous voici ce matin dans la maison du Seigneur pour célébrer le saint mystère de l'Eucharistie, le sacrifice du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés également pour porter au Seigneur nos intentions de prière, les intentions du monde entier, les souffrances, les peines, les tribulations du peuple haïtien. Avec confiance, frères et sœurs bien-aimés, préparons nos cœurs à célébrer ce grand mystère, tout en reconnaissant bien que nous avons péché. Nous avons péché contre Dieu, nous avons péché contre nos frères et sœurs. Humblement, demandons au Seigneur d'avoir pitié de nos péchés et de nos transgressions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse
Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Exode, chapitre 20, les 17 premiers versets. Sur le Sinaï, Dieu s'adressa à Moïse et prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux chez ceux qui me haïssent. Je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant ces jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tous ceux qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 18. Dieu,
tu as les paroles de vie éternelle. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La loi Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Frères, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour le peuple païen. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur.
Bon Dieu, grand maître là avec nous toutes. Même bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Jean qui saint. Pâques juif yo, t'es tout prêt. Jésus monté Jérusalem, nan kay sacré ya, li jwenn moun kap van bœuf ak mouton, ak pigeon, ak moun ki chita ap changer l'argent. Li fait tan pou yon fouet ak kòd, li chasse yo tout sout nan kay sacré ya. Ni mouton yo tout, ni bœuf yo. Li gaye monè moun kap chanje l'ajan yo. Li chavire tab yo bouche en bas. Moun yo même ki tap van pigeon yo, li di yo. Ou ete bagay sa yo sot isit la. Pa fe kay papam nan vin toune kay koumès. Patizan yo même vin sonje la Bibla te di. Dévouement la kayo a fin manjim. Juif yo prend la parole yo dil. Ki signe ou montre non peut-être bagay sa yo ou fe ya? Jésus répond li di yo. Détruit kay sacré sa, nan 3 jours ma pan dressé la. Juif yo même di. C'est 46 ans yo te prend pour yo te bâti kay sacré ça et puis ou même dans 3 jours ou ap dressel li même l'étape parlé au sujet col c'est l'elfin levé soutenant mi parmi moyo partisan li yo vin songer li te dit bagay ça yo croit dans sacté écrit a ak nan parole Jésus te dit a. Pendant l'été Jérusalem pour Pâques là nan jou fête là en pile moun vin kouè nan non lè yo wè sin li yo li tap fè yo mais Jésus même pa kouè nan yo parce que li te konnè tout moun et puis parce que li pa besoin pour personne servir témoin nan parmi les hommes li même li te konnè ki ça qui n'a que monde. Frère Maxime, on nous fait louange et compliment pour parole bon Dieu pendant qu'on a chanté ensemble. Révérend Père, Frère Maxime, parole bon Dieu, dans troisième dimanche carême, nous capables de réduire en deux mots la fidélité, ensuite la conversion. Fidélité, n'a comprendre li dans premier mot sur la Bible que nous saute li nous saute côté qui sorti dans livre Exode de parler de les 10 commandements ou bien juif yo parler de les 10 paroles en dans 10 commandements que bon Dieu bail Moïse sur le mont Sinaï c'est un ensemble de lois qui divisé en deux parties. Première partie, hein, il mettait en évidence relation bon Dieu avec nous. Il est un bon Dieu qui est jaloux.
nous devons remer bon Dieu à tout cœur nous, à tout nom nous, à toute force nous, et nous pas doué mettre en rien ni personne pour passer bon Dieu. Et ça fait parler de bon Dieu comme mon Dieu qui jaloux, lui parler tout de idolâtrie. Donc ça veut dire c'est tout ça qui est capable d'occuper l'esprit nous à un point tel que nous oublions bon Dieu. Donc bon Dieu dans 10 commandements dans la première partie, c'est ça que il voulait montrer nous. Et dans la deuxième partie, c'est relation nous yon avec l'autre. Normalement, frère Maxime, texte 10 commandements, li pas texte qui est ancien si nous fait histoire. N'a pas gagné des textes qui étaient là avant. Par exemple, on prend le code d'Amourabi qui est environ 1792 à 1750 avant Jésus-Christ. Donc, finalité loyaux, c'est qui ça? D'abord, loyaux, c'est des normes impératives qui dit comment pour nous vivre et qui ça nous doit faire. Mais en même temps, finalité, c'est établir équilibre entre ça que nous gagnons comme droit et en même temps, ça nous gagne comme devoir envers communauté, envers société, la donne que nous y a. Donc, bon Dieu, lui rappeler nous fidélité, ça, à partir de alliance avec nous. Lui, il est le Dieu jaloux, le Dieu d'amour, bon Dieu qui remet nous. Donc, pour nous rester dans fidélité avec bon Dieu, pour nous pas jamais oublier que c'est bon Dieu qui t'est fait. Peuple ça sorti en esclavage en Égypte. Donc il est le Dieu qui libère, il est le Dieu libérateur pour nous pas jamais oublier ça. Et pour question nous t'ai parlé de fidélité et conversion. Conversion nous pral joindre li bien dans l'évangile que nous sommes écoutés. Généralement on parlait de la colère de Dieu. Est-ce que bon Dieu qu'on fait colère? Est-ce que bon Dieu qu'on mette en colère? La réponse c'est oui. Peut-être que c'est pas à la manière des hommes parce que texte dit nous que bon Dieu, il est le Dieu qui est lent à la colère, mais il est le Dieu plein d'amour, le Dieu de bonté. Donc Jésus, dans le temps privé, dans le temps plein, lui posait un geste, l'écraser. Donc, geste ça que le posait, il parlait de geste prophétique. Parce que parole ça a été déjà annoncé dans la bouche prophète. Le prophète Jérémie t'a parlé de ça parce qu'il dit il fait de maison, papa lit, on met en caverne de bandits. Le prophète Zacharie, le nous lit dans Zacharie 14, 21, il dit il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur en ce jour-là. Donc ça veut dire le Jésus posé geste ça, yo ouais nan li yon geste prophétique, yon réalisation que prophète yo t'ai déjà annoncé a gen yon le ka privé pa gagner machon nan temple bon Dieu ya encore. Et Jésus c'est ça que li vinn faire et ça fait yo ouais nan geste là yon geste prophétique. Mais parmi juifs yo gen là d'ailleurs qui connent Jésus, qui ouais Jésus à l'œuvre déjà. Jésus fait yon paquet de bagaille déjà. Donc yo déjà découvri nan Jésus il est le Messie annoncé par la bouche des prophètes, mais il y a l'autre tout qui même, yo ça que le fait, certainement son geste prophétique, mais il voulait ouais plus bagaille toujours. C'est ça que fait, yo pral mandé Jésus pour bayo des signes. C'est parce que ça que le fait, prophète yo t'est annoncé, donc entre guillemets, par ricochet, t'as semblé c'est lui le Messie, donc yo voulait d'autres signes. Et Jésus pral annoncer l'autre signe pour que le pral dit que détruit temple ça et en trois jours la reconstruire. Il y aurait été sur le plan matériel pendant que Jésus étant non l'autre plan dans le plan spirituel. Donc il a parlé de destruction de temple, c'est lui annoncer sa mort, mais en même temps lui annoncer sa résurrection. Donc frère Axemio, jodia parole bon Dieu, j'aime dire dans le commencement, l'invite nous à la fidélité, fidélité à Dieu et à la conversion. Pour qui ça, conversion? Conversion, c'est pour nous capables d'échapper de colère, bon Dieu. Oui, bon Dieu, qu'on mettait en colère, mais bon Dieu, il est lent. Lenteur, bon Dieu, c'est le temps de la conversion. Et ceci, nous besoin à nul autre pareil, conversion, pas
pas un autre temps, mais dans le temps, nous vivons la journée aujourd'hui. Conversion, changement de cœur, remet pour haïtien suspendre des tuyaux haïtiens, pour haïtien suspendre raïs haïtiens, pour nous vivre dans l'amour. Donc c'est le temps, et c'est aujourd'hui même pour conversion ça a fait, pour nous capables de passer de la colère de Dieu à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Amen. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, priez de vous mettre debout pour professer votre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non marié, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion. Au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts.
Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, à l'approche des solennités pascales, prions avec confiance le Seigneur de façon plus pressante pour nous-mêmes, pour notre cher Haïti, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Humblement, prions le Seigneur. François, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont la charge de ton peuple, nous te prions, Seigneur, de les protéger et de les guider dans leur mission. Écoute-nous. Ce qu'on a demandé, réponds-nous, soufflez. Pour responsables politiques nationaux, pour si la yo kap mene bak pays nou an Haïti, n'a demandé autant prix, grand maître, aide yo l'ouvrige yo sous misère ak souffrance peuple. Écoutez, voyons-nous. Moi-même, ce qu'on a demandé, réponds-moi, souple. Pour les malades de corps, d'âme et d'esprit, accorde-leur, Seigneur, la guérison et le réconfort qu'ils espèrent tant, selon ton plan d'amour pour chacun d'eux. Exauce-nous. Après-leur, c'est pour m'amender. Pour communauté paroisse noan, pour nous toutes qui rassemblés dans l'église là jodia, ak pour si la yo kap vive la messe là avec nous sur radio télé Altagrace, ak l'autre média social yo,
en nous mandé bon Dieu pour lui aider nous river comprendre que c'est lui même seul pour nous adorer parce que c'est dans lui qui gagne la vie qui pas jamais finir. Grand maître, écoutez voix nous. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, ce peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits. Pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Frères et bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice de bonté, Seigneur, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. Je t'offris notre action de grâce aux jours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et les archanges, nous te louons sans fin en proclamant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Ô lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, le Seigneur Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Mgr Max Leroy-Mésidor,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie, les défunts de notre communauté, les défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui intercèdent pour nous. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons prier en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur. Délivre notre pays de ton mal et donne la paix à notre temps, donne ta paix à notre nation. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne garde pas nos péchés, ne garde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Frères et sœurs bien-aimés, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Depuis longtemps,
pourtant tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai.
ses bienfaits. Celui qui nous couvre de bienfaits. N'oublions pas tous ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du salut. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions humblement, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frère Semyo, bonjour. Comment nous y est? Avec Jésus, nous avons c'est lui qui a donné nos forces pour nous kembe. Dans la situation difficile que nous vivons dans le pays, nous. Ça que t'as dit, pays a t'arrivé. Nan niveau ça, bas comme ça. Ça que t'as dit, c'est nous-mêmes qui t'as vivre moment difficile ça yo. Bagay yo dû en pile. Nouvelles yo yo pas bonne, mais nous devons armer nos de courage, faire preuve de prudence, de vigilance, et nous devons rester dans la prière pendant nous avons fait solidarité yon avec
l'autre. Nous continuons à rester dans la prière parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'autre âme. C'est l'âme la prière qui âme nous. L'âme ça, nous devons servir avec lui. Nous devons utiliser en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Fais solidarité pour yon supporter l'autre, pour yon aider l'autre, pour yon épauler l'autre, pour yon partager avec l'autre, pour yon porter l'autre secours. Moment difficile, mais comme chrétien, nous devons continuer à espérer. Nous devons continuer à être ferme. Nous devons continuer à faire preuve de courage. En pile dans nous, ces barricades, nous traverser, nous jambés pour nous capables de venir à l'église là. Nous disons merci pour la présence. Nous sommes hôtel là, entouré avec paix. Qui ont couronne de prêtre sous l'autel là. Nous voulons remercier eux, nous voulons saluer eux. Nous avons remercié Père qui t'a présidé la célébration de la messe là. C'est Père Talleyrand, Jean-Françler Talleyrand. Père Talleyrand, merci en pile. À gauche, Père Talleyrand, il y a un aîné, un grand frère, un confrère, un frère, un aîné. C'est révérend Père Jules Pierre François. Père François. Père Jules Pierre François. Père Jules, Père François, grand frère moi, merci. Et à droite, Père Jules Pierre François, nous gagnons l'autre grand frère, l'autre aîné, l'autre ami, l'autre frère. C'est Père Philippe Jeannot. Père Jeannot, frère moi. Merci. Et à droite, Père François, nous avons une petite caille qui est toujours là. Comment le relais? Père Vildres, Père Vildres au Libère. Ça n'a pas dit Père Vildres. N'a pas tourné à droite, Père qui préside la messe là. Nous avons l'autre Père. Comment Père ça relé? Comment le relé? Père Colin. Ah, petite caille encore. Père Colin. Merci. À droite, Père Colin, il y a l'autre Père encore. Comment le relé? Père Séraphin, petit caille. À droite, Père Séraphin, il y a l'autre Père encore. Comment le relé? Père Elano. Oui, tout le monde a fini comme nom, Père Elano. Et dans le micro, il y a l'autre Père encore. Comment le relais? Eh bien, en fait, malgré moments difficiles, mais il faut nous chercher des occasions pour nous rire, pas vrai? Et si toute paix qui est dans le presbytère, nous avons pile paix à ta grâce, oui? Nous, au nombre de 11,
Nous, au nombre de 11, si toute période, il y a Père Cap dans messe 8 heures, Cap dans messe 10 heures, etc. Mais nous, au nombre de 11, pour le moment, nous, 11 paix, non, à ta grâce. Mais, grand pile dans le confrère Sayo, c'est bon pied qui mène là. Yo vin nan pied maman yo. Nous remettre maman pays ya. Nous remettre maman tout moun kap soufri nan pays ya. Tout moun ki kite kay yo. Tout famille ki nan la peine, tout famille ki en deuil. Nous remettons, maman, tout peuple haïtien. Nous, tout peuple haïtien, ces petites mamans. Maman, remet yo toutes. Bon Dieu, remet yo toutes. C'est là qu'a fait bien. Bon Dieu voulait yo continuer à faire bien. C'est là qu'a fait mal. Bon Dieu, remet yo. Bon Dieu a demandé yo pour yo changer. Pour nous toutes, pour nous faire bien. Pour nous vivre dans les mains, pour nous vivre dans tête ensemble, parce que nous sommes un seul peuple, nous sommes frères, nous sommes sœurs. En pile fois, nous oublions ça. Nous sommes un seul peuple, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Il faut nous mettre tête nous ensemble. Faut nous vivre ensemble. Faut nous mettre tête nous ensemble pour nous changer pays non. Youn pa doué a craser l'autre, a détruire l'autre, a faire l'autre souffrir. Nous toutes, nous ces petites bon Dieu. Nous c'est pour bon Dieu. Pays a, c'est pour bon Dieu. Papa, bon Dieu, pays nous c'est pour vous, c'est où tu fais la vie nous n'aimons. Dirigez-nous, bannons protection. Continuez la prière pour pays. La prière pour tout haïtien. Pour nous arriver à prendre chemin réconciliation, chemin remain, chemin la paix, chemin tête ensemble. Frère Semio, moi je voulais continuer à dire merci. N'a dit merci à nos sœurs, à nos religieuses, gayen qui n'accueille, gayen qui n'a assemblée. Nous dit toutes sœurs nous yo, toutes religieuses yo qui avec nous dans célébration. Merci. N'a dit merci à nos sacristains, frère Torchon, frère Lemaître. N'a dit merci aux servants d'hôtel, merci aux ministres extraordinaires de la Sainte Communion. Merci à musicien Nouyo, à Maestro David, à frère Ami, Nabdi Choral Ave Maria qui gagne pour animateur Sami qui était célébré anniversaire hier. C'était hier Sami. Et Nabdi nous merci et nous disons bonne fête encore. Merci à tout comité yo, accueil, ordre, comité offrande, comité nettoyage. Et Alta Force, et Santé, et merci à technicien yo, caméraman yo. Merci à tout le monde qui fait déplacement, à nous tous qui fait déplacement, et à tout le monde qui a participé dans la célébration hein, à travers radio, télévision, en particulier à travers radio, télé, Alta Grâce. Nous disons toutes merci et nous remettons nous toutes dans la main, bon Dieu,
pour bon Dieu veiller sur nous, protéger nous, pour Jésus couvrir nous avec sang précieux lié. N'a pas rappelé nous, n'a bien deuxième messe là qui a célébré à 8h, n'a bien messe à 10h et dernière messe là a célébré après-midi à 4h. Nous demandons tout le monde qui était perdu communion, qui t'a aimé reprendre la communion pour passer inscrit ces dernières semaines là et n'a bien rencontre ensemble avec yo pour monde qui capable reprendre la communion yo. C'est jeudi saint, après dialogue, après temps de confession, après rencontre, après temps de retraite, que Péyo a gagné ensemble avec yo. On a rappelé nos messes en semaine célébrées à 6h, à 7h et à midi. On a rappelé nous chaque vendredi, pendant tant qu'arrêtement, nous gagnons et porte l'église là qui l'ouvrit et dans l'après-midi, depuis dans matin, pour toute messe yo dans l'après-midi à 2h n'a bien confession et a bien confession 3h divine miséricorde et à 4h nous gagner exercice chemin de la croix samedi 9 journée de prière de louange messe aux heures habituelles 6h 7h midi et 4h p.m. messe à la chapelle Padre Pio dimanche 10 mars 4e dimanche de carême et dimanche l'étaré. Dimanche l'étaré, messe aux heures habituelles. Et dimanche, c'est ouverture neuvaine à Saint-Joseph. Et Saint-Joseph, nous voyons Saint-Joseph campé, bon côté Maman Marie, dans l'icône Altagrace, là, nous voyons Saint-Joseph là, Saint-Joseph les présents. C'est peut-être ça, nous tous qui gagnons dévotion à la Vierge Marie, à Maman Marie, notamment à Notre-Dame d'Altagrace. Nous devons gagner dévotion tout à Saint Joseph parce que dans icône dans statue Altagrace là Saint Joseph là Saint Joseph campé pendant que n'a vénéré Maman Marie pendant que n'a honoré Maman Marie nous devons vénérer nous devons honorer Saint Joseph qui a veillé sur nous qui a veillé sur l'église là le fête Saint Joseph la fête dans l'église là avec sous radio télé Altagrace. Nous encourageons-nous pour nous faire une ça, pour nous la prière, pour nous recommander by intention. Et pour tes contributions, nous pour une veine ça. Et contribution que monde qui recommande mes pendant une veine, qui by contribution, contribution ça y a servi pour aider quelques paroisses qui dédiées à Saint-Joseph. Gampil, l'autre paroisse. Qui est dédié à Saint-Joseph, qui est dans une situation difficile. On a pensé à la paroisse Saint-Joseph qui est dans la rue des remparts en ville, et puis l'autre paroisse Saint-Joseph qui est dans une situation difficile. Donc, il faut que nous fassions solidarité. Tant les durs, tant difficile, il faut que nous fassions solidarité, il faut que nous soutenions l'autre, il faut que nous aidions l'autre. Donc, nous encourageons nous pour nous faire un événement et les gens qui ont. Pour nous faire un événement, monde qui est capable de recommander un événement. C'est 10 au 18 mars pour nous capables de préparer la fête Saint-Joseph. Et informez-nous, 18 pour arriver 21 mars, nous avons gagné dans l'église là, traversée du désert avec équipe Soleil, la foi et piscine, la grâce. Traversée, la fête dans l'église là, avec sur radio, télé, Altagrace. N'a pas rappelé nous tout pendant ton carême là, il y a un maillot carême qui dans et qui dans bureau hein, nous capable passer pour nous prendre maillot carême nous et puis il y a l'autre en pile l'autre maillot que n'a besoin tout livré pour chemin de croix dans bureau l'église là. Pendant carême là et c'est tout en a fait solidarité, c'est tout temps nous devons faire solidarité. C'est tout temps un chrétien doit faire solidarité. C'est tout temps l'église là doit faire solidarité, l'église là doit partager, chrétien yo doit partager. Mais pendant tant carême là, nous voulons toucher plus monde, nous voulons soutenir plus monde, nous voulons aider plus monde. Frère Max Samio. C'est en pile famille qui vivent dans situation difficile.
bagayo difficile en pile, bagayo dur en pile. Tout geste d'amour, tout geste de générosité, de partage, de solidarité, ou capable de poser, faire à tout cœur. L'ouvrir cœur nous pour nous remettre, puis plus, et l'ouvrir main nous pour nous partager l'un avec l'autre. L'ouvrir main nous pour nous partager avec l'autre. N'a pas encouragé nous pour te coller. Ça nous capable. Nous connaissons pile dans nous qui dans situation difficile et grand pile dans nous tout qui n'ont besoin captain. Mais moun qui capable font ti geste fait pour tes contributions pour nous capable soutenir quelques familles qui en difficulté. Nous pas capable de soutenir tout le monde parce que nous pas gain moyen pour ça bien que nous t'aimer faire ça. Mais ça nous capable de faire, on nous fait avec tout cœur. Nous voulons faire solidarité avec famille qui est en difficulté, yo, solidarité avec démunis, avec pauvres, solidarité avec maladie. Bail contribution non, en nature ou bien en espèce. Merci à nous toutes, merci à nous chaque. N'a pas dit bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. C'est là qui est dans l'église là. Nous sommes capables d'avancer pour nous recevoir salutations et bénédictions dans l'occasion ça. Joyeux anniversaire à Johnny Deronville et Florence Deronville. Il a célébré anniversaire mariage, joyeux anniversaire de naissance à Dafkar Edouardzin, à Dianka Brému, Donavan Simon, Féden Jean-Baptiste, Dani Despoint-Poyon Davis, Jomi Mertilus, Kiria Anis, Maraïle, Volsi Noz, qui c'est membre groupe chrétien en prière, joyeux anniversaire à Marie-Fritzna Joseph Charvenet, à Marie-Jean-Charles, à Marise Calixte. Marise Calixte, c'est membre groupe servante et servant de la Vierge Altagrâce, et puis membre groupe Padre Pio. Et nous dit sœur Marise Calixte, c'est une bonne collaboratrice, liée tout. Sœur Marise Calixte, merci pour la collaboration, et nous implorons grâce et bénédiction, bon Dieu, sur vous, sur tout le monde qui a célébré, sur Dani Poyon, tout, qui sont bonnes collaboratrices. Et joyeux anniversaire tout à Mengo Marie Rosine, à Sylvestre Mario, à Wilgen Saint-Il et à tout l'autre monde qui a célébré anniversaire. Yo. C'est pour grâce, bon Dieu, tomber sous nous en abondance. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday. Dieu béni, bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni. Avant de nous recevoir bénédiction, m'a invité nous camper pour nous saluer maman nous,
pour nous remettre maman nous toute cause nous yo cause pays d'Haïti cause peuple haïtien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, Notre-Dame du Perpétuel, secours. Secouez-nous, secouez Haïti, secouez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Sang précieux de Jésus, sang précieux de Jésus, tombez sur nous en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous en puissance. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Notre-Dame du Perpétuel Secours. Notre-Dame du Perpétuel Secours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez, veillez sur vos enfants toujours, Notre-Dame Perpétuel Secours, priez, priez pour Haïti toujours, Notre-Dame, Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez, veillez sur Haïti toujours, Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez, priez pour nous toujours, toujours, toujours. Dirige, Seigneur, dans ta bonté, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci pour nous toutes, merci pour nous chaque, merci pour toutes fidèles qui ont collaboré avec clergé paroissial là, dans Alta Grâce, et merci avec clergé paroissial là, qui accueille en pile paix. Merci pour sa paroisse laïe, pour l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et que dans toute situation difficile, l'Église toujours invite nous à la foi et à l'espérance. Et c'est Saint Paul qui dit nous, dans toute situation, pour que nous toujours été en action de grâce devant bon Dieu. Soyez forts, soyez fidèles, et dans Homélia, Père, tu fais nous, tu rappelles nous ça. Dieu, c'est un Dieu fidèle et lui réclame de nous également la fidélité.
Ça veut dire dans un moment difficile, yo, puis nous allons succomber à la tentation. C'est pour nous faire effort dans la conversion chaque jour pour nous rester fidèles dans la promesse de bon Dieu. Parce que bon Dieu pas qu'on abandonné monde qui croit dans lui et dans point prière nous fait qui caprété sans récompense. Bon courage. Toujours faire preuve de solidarité, solidarité dans le bien. L'église là, elle est toujours avec nous. L'église a la prière pour nous, pour la paix, pour la réconciliation, pour que le pays ça est capable de relever, sortir dans la poussière, dans la maras, dans la boue, pour les plonger. Kembe Fem, bon dimanche, bonne semaine, bonne méditation à vous tous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous retrouverons l'espoir dès le lendemain.